chantier continue ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps variable à couvert, ponctué d'averses. Il fait frais, la température extérieure est à 11 degrés. Dans l'eau, il fait meilleur, 15 degrés. La marée est en train de descendre. Le plein bas est à 10h15 avec des coefficients de 68. Sur ce descendant, le vent est anachor avec un secteur ouest-nord-ouest. De Beaufort établi, petite rafale à 3. Clapotis-clapota, face des vagues, Rida. Nous avons une houle qui est elle longue avec en seconde de période orientée ouest-nord-ouest, multipliqué à JP en atténuation par rapport à hier ou le chantier. Et il y a un déferlement régulier à 1,50, série régulière à 2 mètres, et sur les grossettes, il y a 2,30. Alors c'est pas pire, ça pourrait être pire que ça, mais c'est quand même bien agité avec des zones de déferlement aléatoires. Aux vagues intermédiaires à 1,50 ou à 2 mètres, les lignes sont un peu moins longues, il y a quelques bouts qui arrivent à passer en pic. Mais quand il y a les séries à 11 secondes de période, à 2,30 m qui rentrent, c'est plus en barre et ça ferme. La barre est un peu sélective à franchir, les vagues sont pas particulièrement méchantes, c'est un peu mou, c'est onshore. Bon, c'est pas fou, hein. Faut être fou, faut être motivé pour aller dans l'eau. Ce matin, il n'y a personne à l'eau, il n'y a que les engins de chantier sur la plage. Évolution pour le reste de la journée, un train double stationnaire à la mi-journée qui s'essouffle en soirée, la bouvoir cachant est stationnaire à 3,08 m, on attend à 13h 2,30 m. Houle ouest-nord-ouest en seconde de période, vent ouest-nord-ouest à 2-3 Beaufort et à 17h 2 mètres. Houle ouest-nord-ouest 10 secondes de période, vent ouest-nord-ouest qui devrait se renforcer dans les 3 à 4 Beaufort. Prévision à confirmer avec le prochain bulletin de 8h30. A tout à l'heure, merci.